Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de l'industrie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors cette semaine on reprend la série Rapport de stage, mais avant de parler je voulais quand même vous dire que ce week-end je reçois des copains et qui me font chier là, ils font les cons derrière moi, voilà. Hop, donc voilà, c'est aussi ça la vie de youtubeur, on a plus de vie privée, on a des copains qui viennent. Voilà, donc deuxième rapport de stage, et donc là c'était des petits stagiaires, entre guillemets des petits stagiaires, qui étaient venus faire des petits stages, Pierre et Cyprien, Pierre qui a fait un stage de 2 jours pour faire une Flying V, et Cyprien juste une journée pour reprendre sa stag. Mais avant toute chose, un petit message de notre sponsor. Salut, c'est Dr Volox, président directeur général de la Dr Volox Company. Et une fois de plus, la Dr Volox Company est fière d'être sponsor, unique sponsor de Dr Volox Guitars. Et de la Dr Volox Company a de nouveaux produits en stock, car on aime les bons produits à la Dr Volox Company. Eh bien oui, le bois revient. Ça a mis un peu de temps, désolé, mais je voulais être sûr, on voulait être sûr à la Dr Volox Company que le bois soit stocké dans les meilleures conditions possibles, hein, pour assurer une certaine sécurité, que le bois n'arrive pas à tout gondoler chez vous. C'est pourquoi nous avons reculé devant aucune dépense et que nous avons créé une espèce de cave à bois, n'est-ce pas? Tout de suite, on rejoint Brandon sur place en direct. Alors Brandon, expliquez-nous qu'est-ce que c'est un petit peu que cette cave à bois. Bonjour, alors bienvenue dans la cave à, oui. La cave à bois. Comme vous pouvez le voir, il y a du bois ici, on a stocké un peu de bois. Oui, mais parlez-nous un petit peu, Brandon, du système de, là, c'est du d'évacuation bois. De l'humidité, Brandon. Du coup, il y a un déshumidificateur. Ok, ça okay merci Brandon, fermez la Brandon. Merci Brandon. Bon, voilà, vous avez compris. Maintenant, ça rigole plus, on peut stocker le bois. Voilà, ça c'est dit. Et le bois n'est pas le seul produit qui est revenu en boutique. Les t-shirts sont de retour. Oui, les t-shirts Dr Volox, parce que nous ici, on n'est pas seulement là pour faire du business, hein. Même pas du tout. Nous, ce qu'on aime, c'est le rock'n'roll. Voilà, donc les t-shirts Dr Volox sont de nouveau en boutique. Avec bien sûr le fameux dos « And don't forget to rock and roll ». Et avec ça, vous aurez vraiment la classe dans votre atelier et vous pourrez vraiment faire de belles guitares. Et pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus corporate, nous avons sorti les t-shirts Dr Volox Company. Voilà, ils sont magnifiques. Avec ça, vous allez voir, vous allez avoir une sacrée classe aux soirées de l'ambassadeur. Et je vous rappelle les prix, hein, le t-shirt Dr Volox Guitars en Don't Forget to Rock and Roll, il est à 20€, et le t-shirt Dr Volox Guitars Company est à seulement 16€. Et il y a une promo, vous achetez le Dr Volox Guitars et le Dr Volox Company et c'est seulement 30€ les deux t-shirts. Oui, je répète, 30€ les deux t-shirts. Si ça c'est pas la fête à la cafette, je mange mon cigare. Voilà. Ça sera tout. À très bientôt et passez un bon épisode. Donc voilà, le bois revient, les t-shirts reviennent. Alors pas ceux-là, hein, parce que ceux-là c'était une série limitée pour la série Ulule. J'en referai peut-être un jour si vous me les demandez. Mais voilà, les t-shirts reviennent. Puis surtout, bah, les t-shirts Dr Volox Company, quoi. Ça, c'est pas, ils reviennent pas là, c'est tout nouveau. Voilà, il y a un petit peu de stock, pas trop, parce que bon, bah voilà, faire du stock ça coûte des sous, mais vous en faites pas, je peux en refaire rapidement si la demande est forte. Je serai prêt à répondre. Revenons-en à nos moutons, les petits stages. Bon, bah on va commencer par Cyprien, donc qui était venu avec sa stag. En fait, Cyprien, il m'a commandé une guitare, mais il m'a dit j'ai ma stag, c'était ma première guitare, je voudrais un peu la garder, mais un peu l'upgrader, mais j'ose pas le faire tout seul. Donc, je dis, si tu veux, tu peux venir faire une journée de stage. Et donc, voilà, il est venu faire une journée de stage. Allez, c'est parti, mon kiki. We'll be right back.
Je suis venu voir le doc pour refaire ma vieille stag de l'époque. On l'a toute redémontée, on a collé, vissé le manche. On a peint le manche en noir derrière. J'avais chopé une plaque équipée HSH. Et on a tout refait, j'avais pas de vibrato, donc maintenant j'en ai un. Il m'a fait ma petite dédicace, j'ai été super bien accueilli, c'était bien cool. Un grand expert, on va dire. Et il a tous les bons plans, dès qu'il y a un problème, il trouve la solution. Donc super journée, je vous encourage à faire pareil. Et puis voilà, à bientôt. Voilà, ça c'était Cyprien. Alors je pense que c'est peut-être le bon moment de vous mettre un petit peu de pub, parce qu'il faut... Il faut faire plaisir à l'algorithme, vous savez, hein, je le répète, mais l'algorithme, c'est un être tout puissant et il faut faire ce qu'il aime. Et l'algorithme aime la pub, alors pub. Et il aime pas que la pub, l'algorithme, hein, vous rappelez-vous qu'il aime les petits poupousses qui sont plus bleus, qui sont blancs, et puis il aime les petits commentaires. Puis il aime que vous abonniez aussi, hein, parce que j'ai regardé mes stats, il y a encore des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés, et ça me fend le cœur. Deuxième stagiaire, Pierre. Alors en fait, Pierre, il m'a envoyé un message, ouais, je voudrais venir faire un stage de 2 jours, je voudrais un peu retaper mes guitares que j'ai faites tout seul. Il m'envoie des photos de guitares, je regarde vaguement, je dis oui, tu peux venir faire un stage de 2 jours, retaper tes photos, tes guitares. Et puis quand il est arrivé, en fait, ses guitares, c'était, bon bah quand même, ouais, elles étaient un peu... Et en fait, il voulait carrément les refaire, quoi, j'avais pas compris. Et je lui dis, bah non, en 2 jours, on en fera qu'une. Donc il a choisi sa Flying V et il a fait un truc sympa, vous allez voir. C'est parti, mon kiki. Bah, je suis venu avec une épave de Flying V et je repars avec, avec une super Flying V avec un corps en frêne. J'ai refait la tête avec le dock de la V. Et puis voilà, changé le pick guard, tout remis à niveau, collé le manche bien évidemment. Et puis voilà quoi, non, c'était trop bien, super accueil, super accompagnement du dock, trop bien. Oh,
Bah, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Bravo aux stagiaires, ils ont fait du bon boulot. Bravo au Dr Volox, qui a été une fois de plus un professeur divin, n'est-ce pas, hein, vraiment. Mais fermez vos gueules, vous, je vous ai dit de pas parler, putain. Et on accepte que des potes ils viennent et puis ils peuvent pas s'empêcher de... Allez, à très très vite. And don't forget to rock and roll!